stationnaire et toujours du vent offshore ce midi sur la Canoë. Bonjour à toutes et à tous. On a un temps variable avec averse. Il fait frais. La température extérieure était à 9 degrés. La température de l'eau est à 14 degrés. La marée est actuellement en train de finir de descendre. Le plein bas est maintenant 11h25. Des coefficients de grande marée 98. Sur ce plein bas, le vent est toujours side offshore, sud-sud-est. Il est modéré. Il s'est même un peu calmé par rapport à ce matin. Il est à deux beaux-forts établis, des rafales à 3, un plan d'eau qui est ridé au bord, clapoteux sur le large, des phases de vagues qui sont lisses, une houle qui est très désordonnée, longue avec 10 secondes de période, orientée ouest à ouest-sud-ouest, multipique, stationnaire en taille, 1,20 en déferlement régulier, 1,30, 1,50 aux séries. Il y en a partout, avec la marée qui est basse, les bandes du large sont moches, les meilleures vagues sont au bord, en inside, elles sont très désordonnées, là. C'est là où vous avez vu les quelques personnes à l'eau, il n'y a que des surfeurs là, qui attrape des bouts dans le courant, très aléatoire. La barre est facile à franchir, les vagues ne sont pas sélectives. L'évolution pour le reste de la journée, c'est un train d'houle en légère atténuation. La bouée Arcachon, Gascogne, est à 2 m 7 secondes. Elle perd de la taille, elle prend de la période, ça va être à peu près la même taille hein, cet après-midi. Avec un vent qui a tendu à rester sud-sud-est et se calmer au fur et à mesure que la marée montera. Donc c'est à surveiller ce que ça va donner cette histoire. Peut-être que sur la fin du montant, avec ces gros coefs, on aura quand même quelques coups intéressants. Les prévisions nous donnent à 13h à 1m20, 1m50, ou ouest à ouest-sud-ouest, 10 secondes de période, vent de sud-sud-est à 2-3 beauforts, et à 17h, 1m20, 1m50, peut-être un peu moins, ou ouest à ouest-sud-ouest, 10 secondes de période, vent prévu sud-sud-est, 3 à 4 beauforts, mais peut-être qu'il sera plus faible que prévu. Donc à surveiller ce que ça va donner, je vous tiens informé sur l'évolution des conditions sur le 08 92 29. 78-73 à 14h et à 16h. La bonne journée, merci.